Meghan Markle a ébloui la planète dans sa sublime robe Givenchy, le jour de son mariage à la chapelle Saint-Georges. La créatrice Clara Wright-Keller, qui a conçu la robe, raconte que la duchesse avait une idée très précise de ce qu'elle voulait. La robe de mariée de Meghan Markle était le secret le mieux gardé de la cérémonie de son mariage avec le prince Harry. Ce n'est qu'au dernier moment que le monde entier et l'heureux marié ont découvert la tenue. Une tenue signée Givenchy, dessinée par la directrice artistique de la maison de couture, Clara Wright-Keller. Cette dernière s'est exprimée dans les pages de Paris Match. Elle revient, notamment, sur les discussions avec Meghan Markle sur la direction décidée pour la fameuse robe. La styliste explique que l'ancienne actrice de Suits avait une idée très précise de ce qu'elle souhaitait. Elle avait déjà une certaine idée. Meghan sait ce qu'elle veut. Nous nous sommes rencontrés en janvier et, très vite, sommes tombés d'accord sur la robe parfaite, déclare Clara Wright-Keller. C'est une femme forte qui sait exactement ce qu'elle souhaite. Nous étions toutes les deux sûres de la direction que nous avions décidé de prendre, précise la créatrice. Cette dernière souhaitait une silhouette moderne et fraîche, tout en respectant son style. Une lignée à la simplicité nette, pure et élégante. Mission réussie avec succès car le monde entier était d'accord et a souligné la beauté de la ligne élégante de la robe et la sobriété de Meghan Markle. Pour la directrice artistique de Givenchy, créer la robe de la duchesse de Sussex était un immense honneur. Elle raconte, le prince Harry est venu me dire, oh, mon Dieu. Merci. Elle est absolument magnifique. Je suis très fière. C'est un conte de fées. Un rêve devenu réalité.